Chers collègues, nous vivons l'effondrement accéléré du vivant sous l'effet de la perte de biodiversité et du dérèglement climatique. Tout le monde le sait. La loi sur la restauration de la nature est donc un texte à portée cruciale. Elle doit être adoptée. Chaque parlementaire de cet hémicycle a entre ses mains une part du destin de l'humanité. Alors, chers collègues, ouvrez les yeux. Des millions d'espèces disparaissent, nos champs s'appauvrissent, nos sols s'assèchent, nos forêts brûlent. C'est la vie elle-même qui disparaît. Cette loi devait être la plus importante loi pour la biodiversité adoptée depuis 20 ans. Et pourtant, vous, à droite et à l'extrême droite de cet hémicycle, vous échinez à la réduire à néant. En condamnant la nature, vous condamnez notre futur. Où est donc passée votre conscience? A-t-elle été achetée par les lobbies? Est-elle inexistante? Que direz-vous à vos enfants? Nous avons sacrifié la nature pour réussir l'union des droites européennes? C'est indigne, c'est irresponsable et c'est criminel. Alors, chers collègues de droite, il est encore temps de vous ressaisir. Je vous appelle à désobéir à vos chefs qui vous déshonorent et à adopter cette loi.